les amis, c'est le Bledard, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va ou quoi? Maintenant, il y a deux caméras, ça, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la première fois que je fais une vidéo réaction sur Snapchat. Ouais, mais vidéo réaction sur vos réactions, parce que je vous ai posé une question assez simple. Racontez-moi, c'est même pas une question, quoi, je vous ai demandé carrément une dissertation. Racontez-moi en vidéo la pire connerie que vous avez faite pendant les vacances. C'est simple, mais je suis sûr que parmi vous, il y a des déglingos. Des déglingos, ça veut dire psychopathes de la life. Donc, on va voir ça tout de suite. Ouais, elle est malade, lui ou quoi? Pendant les vacances, j'avais 8 ans. Et j'ai pris ma petite sœur et je lui ai coupé les cheveux. Je lui ai dit que c'était elle qui les a coupés à mes parents. Ouais, y a pire quand même. Et il a mis hashtag, je me suis niqué quand même. Hein. Là, moi, la pire connerie que j'ai fait pendant les vacances, j'ai fait tomber une merguez. Mais j'ai pas comme. Il a fait tomber une merguez. Mais non, mais c'est. Attention, c'est pas bien de faire couper une merguez. Bah, en fait, tu vois les antipuces pour Charles. Ouais. Et bah, une, ça suffit pour un an. C'est dangereux et tout. Et moi, là, dans la nuit, j'ai mis les trois d'un coup sur mon chat. Donc, en fait, ton chat, il s'est transformé en Super Saiyan, quoi. C'était Dragon Ball chat, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai fait durant ces vacances, c'est d'avoir pris le camion à mon père et d'être rentré dans un grillage et avoir éclaté tous les feux. Non mais c'est drôle quand même, il a pris le camion de son père et il a GTA. Le mec s'est cru dans GTA, mais c'est un truc de ouf. Pas faire comme moi, c'est pas Los Santos ici, hein, malade. T'as vu ou quoi? Bon, alors ma mère m'a dit de mettre le frein à main de la voiture, et puis je l'ai pas mis. Et puis du coup on était en côte, et ben du coup elle est dégueulasse, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non mais c'est drôle aussi, je suis désolé, c'est un peu drôle quand même. Elle a pas mis le frein à main, elle a tout déglingué. GTA, en fait les gens se prennent pour GTA quoi. Blédard, moi ma pire connerie quand j'étais en vacances, c'était quand j'étais avec ma petite sœur, on avait une bouée. Et j'ai failli la noyer. Salut, c'est moi. Salut, c'est moi. C'est la rescapée. Salut, c'est moi. Si on dirait c'est un interview. Eh bah, mon vieux. Ma pire connerie, c'est de m'être abonné à ta chaîne. Voilà, des bisous. Ok, ça, c'est encore un coup d'un mixem, ça. Attention. Des bisous. Trop que j'ai pas reconnu là. Hein, Fred, va. Et bah, moi, ma pire bêtise, c'est que je faisais un barbecue avec mes copains. Et j'ai fait griller une merguez. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a pire, mais c'est pas mal, hein. Bah, pendant que mon père était en train de bronzer. Je comprends pas. Tiens, la voix, ça va pas du tout. Il y a pas de tête, c'est noir. On comprend pas. Vous êtes refusé du casting, c'est un truc de ouf. Mais attends. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait de casting, mais bon, ça aurait pu. Alors, j'ai cassé la table. Comment? De mon oncle, en étant dessus. Et après, le jour suivant, j'ai pété la chaise en voulant sauter au-dessus. Alors. Mais en fait, lui, son oncle, il pète tout. Il pète la table, il pète la chaise. Est-ce qu'il t'a pété ta gueule, non? Bah oui, c'est ton oncle, attends, il est malade. Alors, moi, la pire connerie que j'ai fait en vacances. Enfin, c'est pas vraiment une connerie. J'étais aux Canaries, un truc comme ça. Et Ça s'arrête là? J'ai pas. Qui a compris ce. Ah, il pensait qu'il fallait me remettre de l'argent et tout. Mais non, mais c'est gratuit Snapchat, hein. Malade. Vous êtes cerné. C'est moi qui ai inventé la blague. Parce que j'ai des cernes. Et j'ai dit, vous êtes cerné. C'est moi qui l'ai inventé, cette blague. Vous êtes cerné. C'est moi. Essayez. C'est quoi? Non. Il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos et qui sont comme ça mentalement. Mais comment ça, vous êtes cerné? En plus, elle a dit qu'il cachait une blessure avec une pêche, frère. Une pêche. C'est pas un pansement, c'est un pêchement que t'as. Bon, elle était pas mal cette blague, faut pas rigoler non plus. Croyez, je m'en bats les couilles, j'ai pas fait de conneries pendant les vacances. Puis j'ai regardé des vidéos. Voilà, il a zoomé sur son nez, hein, c'est un Youcan. C'est bien, Sammy, tu fais pas de bêtises, c'est bien, Sammy, c'est cool, hein, Sammy. Malade, femme. Le petit blédard, ma pire connerie, c'est d'avoir regardé tes vidéos. C'est bon, ça devient classique, ça, ou quoi, comme ça. Mes vidéos sont très instructives, Sammy, instructives, normal. Il est malade, lui, il est malade. Commence à m'énerver, là. Tiens, ma pire connerie, c'est d'avoir, je crois, cette vidéo, mon gars. Moi, ma pire connerie pendant les vacances, j'étais à Monténégro. J'ai dormi sans la couverture et voilà. J'avais la diarrhée pendant longtemps. Non mais ce qui était drôle c'était Monténégro. Ça c'est pas mal, elle est validée, celle-là elle est validée. Par contre t'as pas dormi avec la couverture, donc t'as eu la diarrhée. What? C'est quoi ce délire? Il fait pas chaud là-bas? Adèle, waouh. Moi je suis en vacances en Algérie, non au Maroc. J'étais dans ma résidence. Elle a confondu. Et j'ai joué au foot, tranquille. Il y avait une voiture qui a passé. Ok. Non, mais après, pourquoi pas? Il y a une voiture qui est passée. Et peut-être c'était ça le moment Thug Life. Il y a une voiture. Parce que normalement, en Algérie. C'est en Algérie ou au Maroc? On me rappelle même plus, frère. La bêtise, c'est d'avoir fait tomber le cadre. Je joue au ballon. Et bam! Dans le cadre. Bam! On peut dire que c'était un tir cadré. Vu que c'est un cadre. Ah, rigole un petit peu. Ouais, c'était sérieux là. Pourquoi t'es serré comme ça? T'es constipé du cerveau. Il est malade. Et là, comme une grosse mongole, je donne un grand coup de bras. Et là, ça éclate la statuette. Et du coup, genre, je regarde. Et là,
la tête décapitée. Elle a donné un coup de bras et la tête décapitée. On l'a semi-valide, celle-là, Mais attendez là. Moi, ma pire connerie que j'ai fait pendant mes vacances, bah, c'est que j'ai regardé toutes tes vidéos, quoi. Ça commence à devenir gênant quand même là. Moi, ma pire connerie pendant les vacances, on déménageait et j'étais petite. Et puis le jour où on devait déménager, les parents, ils avaient racheté un nouveau pare-douche et là, ils sont. Je crois que c'est une vidéo parodie des réactions Snapchat ou quoi. Pourquoi vous finissez pas vos vidéos? Il est resté pas de batterie ou comment ça se passe? Putain, mais c'est un truc de ouf. Ça arrive qu'à moi, ça arrive qu'à moi. Alors moi, ma pire connerie de ces vacances, c'est que j'ai rasé mes cheveux. Et mon père, il m'a défoncé. Mais fallait pas raser tes cheveux, frère. Fallait raser tes sourcils. Il y en a plus que moi, frère. Voilà, Psartek validé. C'est Habib validé. Mais Psartek, crâne rasé ou quand même. Un peu d'huile d'olive, ça passe au calme. On était avec ma famille. Mm-hmm. Et on était beaucoup. Et moi, j'ai pété. Et tout le monde. Pourquoi est-ce que vous finissez pas vos vidéos, wesh? Il était en famille, il a pété. Mais moi, je voulais savoir ce qu'il a fait après. Ou c'était ça le moment de... fallait le dire aussi, fallait spécifier, malade. Ma pire connerie, c'était quand j'étais chez ma tante avec mes cousins, on était 5. Mm-hmm. Il y avait un Luna Park à côté et on voulait aller. Bon, c'est tout, hein. Non, mais je crois que... Non, mais c'est... Ah, ouais, là, je comprends pas. Ma pire connerie, notre pire connerie. Mais son pote. On a pris la voiture à son daron, à son père, et on l'a niqué. Genre, tu vois, on a niqué la voiture. Et. Non, tu l'as niqué. Parce que c'est toi qui conduisais, voilà. Non, c'était pas moi. C'est toi qui. C'est quoi, ils sont sérieux là? Ils s'embrouillent quand même devant, mais c'est des malades! Non, franchement, j'aime bien. Franchement, ça fait plaisir. J'étais sur. Non, j'étais pas sur comme. Mon vélo. Non, pas comme ça. Et j'avais oublié de serrer les vis de la roue avant. Et voilà, qui vivra, verra. C'est tout, hein, il a freiné, à mon avis, il s'est pété la gueule au calme. C'est pour ça que maintenant, il a un tic, maintenant, c'est de mettre sa main dans ses cheveux au calme, comme ça. Moi, je peux pas parce que j'ai un casque, et surtout parce que j'ai pas de cheveux. C'est bon, moi, j'étais pas obligé de le spécifier. Mais là, toi, t'es vraiment déterminé, c'est bien. Ouais, donc, Anas, moi, ce qui s'est passé, pendant les vacances, une fois, je suis venu, j'étais en vélo. Je suis rentré dans une voiture. Le gars, il est sorti, il m'a embrouillé, tout ça. Il m'a dit tu vas khalas. J'ai pris une pierre, je lui ai pété la vie, j'ai couru. Je suis rentré après, je me suis caché. Oui. Voilà, j'ai eu de la chance, mon daron, il savait pas. Et c'était au Maroc. Ah, il a bien fait de spécifier. Non, c'est vrai qu'au Maroc, c'est courant, tu vois. Là-bas, ils font pas des constats, Sabi. Ils vont constater, mais ils vont combattre en même temps, tu vois. Ils vont combattre, Sabi. En France, c'est que notre mère, elle nous a dit, on est en train de manger. Et en fait, il y avait une piscine. Uh-huh. Mon frère, il m'a saoulé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé dans la piscine, j'ai rempli mon verre d'eau et je l'ai mouillé. Attends, on essaie de comprendre. Il y avait une piscine, mais au lieu de pousser ton frère, non, t'es parti dans la piscine, t'as pris un verre d'eau, t'as rempli le verre d'eau et tu l'as jeté sur ton frère. Mais c'était plus simple de prendre ton frère et de le jeter directement dans la piscine. Semi-tug life. Attends, faut pas rigoler quand même, attends. Il y a un mec qui s'appelle Sullivan, ok. Pire connerie en vacances. Alors, yeah. Ouais. Dans un hôtel, j'ai cassé toutes les lattes du lit. Devine comment j'ai fait. Je sais pas. Allez, vas-y. Je sais pas. S'entend dessus. Non, mais ça, je le savais par contre, faut pas déconner. Pire connerie que j'ai fait en cours. Non. Non, t'es pas en cours. C'était en vacances. Quand t'es en vacances, y'a pas de prof, y'a pas de dire d'école, y'a pas de CPE, tu vois ce que je veux dire? Pas la même chose. Moi, ma pire. Ah ouais, non, je parle au noir, je parle à une couverture, je parle à un sol, putain, et montrez-moi juste au moins une joue, je vois que j'ai l'impression de communiquer avec un être humain quand même, attendez. Et là je dis... Encore toi, encore la couverture? Ouais, tu m'as fait peur encore. Pire connerie que j'ai fait pendant les vacances, c'est balancer mon cousin par la fenêtre. What? Du premier étage, bien sûr. Mais c'était un assassinat, ça, c'était pas une connerie. Mais il est malade, lui, il balance son cousin par la fenêtre. Normalement, les gens, ils balancent leur cousin par la piscine, sur le lit, par la fenêtre. Allez, hop, un courant d'air, ça dégage. Il est malade, lui, ou quoi? Voilà, je voulais juste te passer ce petit message. J'espère que tu verras ma vidéo. Parce que Team Merguez à fond, quoi, et plein de bisous. J'ai parlé à un petit cochon. J'ai jamais parlé à un petit cochon. J'ai jamais mangé de cochon, mais j'ai jamais parlé non plus. Merci beaucoup, madame cochon. Merci, ça fait plaisir. Salut Anas. Salut. Alors, nous, notre plus grosse connerie, c'était. On est parti dans un restaurant. Ouais. Et en fait, on s'est barré sans payer. Alors qu'on en avait pour 20 euros. Oh, 20 euros, Sabi, ils ont pas payé. Ce matin, moi, j'ai mangé pour 45 euros, Sabi. Bah après, j'ai couru vite. Hein. Ah, moi, je cours vite, après, je cours vite. Ah ouais, Thug Life, hein. 20 euros, ça compte ou pas comme Thug Life, dites-moi en commentaire. 20 balles, ça veut dire quoi? Ah ouais, quand même. Ah, vous avez bien mangé, hein. Il y avait des crevettes, au moins, ou pas? Salut, et ma pire connerie en vacances, c'est en fait, c'est dans un camping, on m'a donné un défi.
Et le défi, c'était de sauter sans caleçon, sans maillot de bain dans la piscine. Et je l'ai fait. C'est pas vraiment. Si, on peut dire que c'est une connerie. Mais comme t'as l'air petit, à mon avis, ta mariée était petite. Donc peut-être qu'ils ont rien vu du tout. Donc c'était une petite connerie. Non, mais c'est bien. Allez, ouais, Tug Life. Alors, on valide, on valide. Genre, en fait, j'ai sauté sur le dos de ma mère. Quoi? Mais c'était pas ma mère, en fait. Parce qu'elle avait un t-shirt rouge, tous les deux. Ah. Et. T'as confondu quoi. Le mec il a confondu sa mère avec une inconnue. T'imagines? Hey, ça va ou comment? Zdeuf! Oh bon, t'as des mains bien costauds. Ah, c'est pas maman. C'était le maçon, d'accord. Moi, ma pire bêtise en fait, de vacances, c'était l'année dernière. Ouais. En fait, j'étais dans un camping. Et genre, le bungalow qui était à côté, c'était celui de nos voisins. Et genre, la fenêtre elle était ouverte, ils étaient partis. Et genre, moi j'ai pris ma chaise de terrasse. Et puis, comme j'ai avait venu la fenêtre ouverte, ben je l'ai mis devant la fenêtre et je suis montée chez eux. Je savais pas qu'il y avait leur tente chez eux, enfin, dans le bungalow quoi. Donc du coup, ben, je suis ok. Alors, je vais dédier une prochaine vidéo spécialement sur cette story là. Donc notez bien la bungalow, la c'est pas mal, c'est pas mal. Non, Tug Life, franchement. Tug Life. Ouais, pire que j'ai fait, c'est que j'étais. Non, mais non, mais je parle pas à Hamster. Hamster Snaku, je t'ai découvert, putain. Alors, moi, ma plus grande connerie. C'était quelqu'un qui voulait commander tout le monde. Ouais. Tout comme dans un humeur, j'ai commencé à le taper. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est quelqu'un, il avait pris la confiance, il voulait donner des ordres à tout le monde. Elle s'est pas laissée faire, elle l'a défoncé. C'est une solution comme une autre. Faut pas se laisser faire dans la vie. Faut pas non plus déglinguer des gens. Parce que après, bon, la justice, tout ça. Hein. Tu vas faire une vidéo dessus ou pas? Je sais pas quoi répondre. Non, franchement, je reste bouche bée là. J'ai pris ma soeur. Ouais. En fait, il y avait une piscine en bas. Ouais. Et je l'ai jeté du balcon comme ça dans la piscine. Ouais, normal. Et elle s'est pris un plat. Quoi? Mais t'es malade, c'est quoi ces gens qui jettent leurs frères, leurs sœurs par la fenêtre? Vous croyez que c'est des colis UPS ou quoi? Nimp. En fait, il était minuit et genre il y avait un lac à côté de nous. Un lac. J'ai poussé mon pote dans le lac. Voilà, un enfin, classique. C'était pas drôle en fait. C'était pas drôle en fait, il a dit. Ouais, je suis sérieux. Pire bêtise, c'est que j'ai versé de l'eau sur les voisins de camping et ça s'est mal terminé. Ils sont allés chez des flics. Voilà. Ouais, je pour de l'eau, ils ont appelé des flics. Pas compter sur eux. Alors moi, ma connerie, ça a été de jeter le caca de mon chat par-dessus le mur de la maison. Sauf que derrière, eh bah, il y avait une Clio blanche. Et ah, du donc... coup, je crois que tu connais la suite. Ouais, bah ça veut dire que du coup, la Clio, elle était plus vraiment blanche à la fin. Elle était un petit peu noire caca. C'est une couleur très rare. Tu pourras revendre cher la voiture, à mon avis. Hein. Ou pas, je sais pas. J'ai engueulé mes parents pour un resto que je voulais même pas. T'as engueulé tes parents? C'est toi qui es au con de jeter par la fenêtre. J'ai mouché une crotte de nez, je crois. Il a mangé une crotte de nez. Wesh, ils font des dégustations bizarres, eux. Moi, ma pire connerie de vacances, c'est quand j'ai foutu en l'air le jardin et voilà. T'as foutu en l'air le jardin? Ouais, j'étais devenu une taupe ou quoi, toi? Ma pire connerie en vacances, c'est en fait, j'étais rendu au ballon et d'un coup, j'ai shooté dans la tête d'un gars qui était justement en train de manger. Bon. Elle est trop mignonne, ouais. Et j'étais dans la tête d'un... Bon, je sais que c'est pas ça, mais j'étais dans la tête d'un... Pourquoi tu joues au ballon, toi? T'es sérieuse, là? Au bled au Maroc, et là il y a un cheval. Je vais essayer de monter dessus. Il me donne un gros coup de talon sur le talon. Attends, le cheval il lui a donné un gros coup de talon sur le talon. Ouais, il y a qu'au Maroc où les chevaux ils ont des talons, frère. C'est un truc de ouf. C'est nappe. La pire bêtise que j'ai faite en vacances, mais il y en a pas vraiment. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé deux boîtes de céréales la nuit. Oh, on a trouvé la tug de la NSFB. En plus, elle mangeait du crunch SFB et l'autre, c'est pas de marque. Ah ouais. Ma pire bêtise de vacances, c'est quand ma mère, elle a posé son passeport sur la table. Moi, j'avais un stylo, j'avais 3 ans. Je voulais en fait... D'accord, tu voulais en fait pas finir la vidéo. Non, mais c'est un projet comme un autre, c'est tout. C'est tout. Moi, mon pire truc de vacances, c'est j'étais à Center Park avec une amie. Ouais. Et genre, en fait, il y avait un balcon, il était hyper petit. D'accord. Ok, il était trop... Il n'y a pas que le balcon qui était petit, même la vidéo était un peu trop petite, je trouve. Hein. Oh la vache. Abdallah. Ah, ça sent les bismillah boum boum. En fait, tu vois, je partais à l'école, il y a mon professeur où je faisais trop le darwa, tu vois. Ouais. Il voulait sortir. J'ai des sales chiens, moi. Son professeur, lui dit de sortir, il fait sale chien, moi. Ouais, j'étais sérieux, frère. C'est pas un chien, faut pas abuser, quand même. Pour les vacances, j'ai volé un scooter. Ouais. Voilà. Ah, donc maintenant, Annabelle vole des scooters. Eh ben, mon vieux, moi, j'étais pas au courant, fallait me le dire, les gars. La pire bêtise que j'ai faite, c'était avant de partir en vacances. Je me suis déboîté le genou 24 heures avant. Et c'est déboîté le genou, ok, d'accord. Ma pire connerie, c'est d'avoir fait croire à mon cousin que j'allais le tuer pendant la nuit. Et cet handicapé, il l'a cru.
il c'est a pleuré. C'est handicapé et il l'a cru. Je vais te buter. Attends. Quoi? Il a dit quoi lui? Wesh, bien quoi? Wesh. J'attends que tu me répondes. Quoi? Réfléchis bien, la famille ça va, le PC ça va, le Django ça va, toi ça va, le cheveu ça va, le calvitie ça va, la moustache ça va. Bâtard! Comment ça le calvitie ça va, wesh? C'est moi qui dois te répondre! Wesh, fallait me raconter une connerie! Ah, c'était ça ta connerie? Bah, je comprends mieux. La pire connerie que j'ai fait. Ouais. Eh ouais. C'est d'avoir regardé une de tes vidéos, connard. Non, ça va, je t'aime bien. Il l'a bien dit, il l'a bien... connard, va. Pourquoi vous êtes méchants comme ça avec moi? C'est un truc de ouf. Bah, nous, hier soir, à 2h du matin, on a réveillé une meuf qui dormait avec un masque de Batman, et voilà. Je suis mort de rire, Thierry. Non, mais c'était pas... Bah, attends, vous foutez de ma gueule. Moi aussi, je me fous un petit peu de votre gueule. Vous êtes sérieux, là? J'ai appelé ma mère, et après, je lui dis « Allô, ma chérie ?» Il y a le mec qui me dit « Je vais tuer, je vais te fracasser, ma gueule. Si tu la revois, t'es mort. » Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc t'as pas appelé ta mère, t'as appelé un mec, tu as dit salut ma chérie, c'est ça? Ah bah mon vieux. Ma pire connerie, c'est qu'une fois j'ai fait du canoë avec un pote. Ouais. On faisait une course, je lui ai forcé dedans pour pas le laisser passer, il a failli se noyer. D'accord, donc ça peut avoir une course en canoë frère. Encore tu m'as dit une course en Mustang. Canoë frère. J'ai raté le bac, je retourne bled Morocco, au revoir NS. N'importe quoi, j'ai raté mon bac, je retourne au bled Morocco. Évidemment, ma pire connerie que j'ai fait dans les vacances, c'est exploser un pétard. What? C'est tout? Ça va, frère, toi, t'es gentil, oula! Ma pire connerie, c'est d'avoir frappé un prof. What? Y'a vraiment des gens qui frappent des profs, vous êtes des malades, vous? Vraiment pas envie de monter et de descendre les sauts de sable. Donc, on a tout versé par-dessus le mur et c'est tout atterri sur ma tente. Du coup, voilà, on s'est fait défoncer. T'as ensablé ta tente. Bah, c'est tout, hein, c'est bien. Tente qui tu as, tu sais, au calme. La pire connerie que j'ai fait pendant les vacances. Mm-hmm. Yes, Sahabi, tu me connais pas. N'importe quoi. Bah, ouais, mais fallait me raconter, c'est quoi ta pire connerie, ouais, j'étais sérieux, ça. Bon, en fait, moi, on est parti, moi et ma famille, à la plage. Mm-hmm. Et à un moment, mon père m'a dit de ramener des trucs dans la voiture. Bon, en fait. Moi, on est parti, moi et ma famille. Deuxième vidéo la semaine prochaine. Parce que là, non, c'est pas possible. Faut que ce soit concis, ça. Il faut pas comme le... Ouais, faut que ce soit court, tu vois, un truc bien. Sérieusement, la plus grosse qu'on a eu, frère. Je suis sorti en caleçon dehors, tu vois. Ça date d'hier. Mais pourquoi vous dilatez vos narines comme ça? Il est sorti sans caleçon hier? Avec ta tête, là. Alors, en vidéo, quand même te dire que j'ai fait beaucoup de bêtises pendant ces vacances, j'ai... Je vais te raconter. Il n'y a que des trolls sur ma chaîne, il n'y a que des trolls. Je vais la renommer en Blédard Troll. C'est un truc de ouf. Vous, pourquoi vous répondez pas? Vous faites exprès là? J'étais voir le sauveteur à l'océan. Je lui ai dit qu'il y avait un requin. Tout le monde s'est barré de la plage, frère. Le sauveteur à l'océan. Faites quoi dans la vie? Je suis sauveteur dans l'océan. Ah! Ouais, bah, psaché comme mon gars. Salut le Blédard, moi, ma pire connerie pendant les vacances, j'ai tagué sur un mur. Je kiffe tes vidéos. Merci, c'est cool. Bah, ça, c'est une petite bêtise, ça fait plaisir. Hello, mon petit abricot. Alors, moi, c'est quoi? Avec des potes, on s'est tous mis devant le tram. On l'a bloqué, on n'a pas bougé. Après, la police, après, on s'est taillé. Et vous a taillé les sourcils ou pas après? Ouais, mais t'as vu comment il est? Comparé au mien, ça passe, ça passe. Finalement, ça me fait du bien de vous voir. Parce que je complexe moi par rapport à mes sourcils, tout ça. Parce qu'il y en a, franchement, il y a du niveau, Sabi. Il y a du niveau, Sabi. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Si vous voulez éventuellement une deuxième vidéo dans le même style. Laissez un petit like. Dites-moi en commentaire le snap qui vous a plu le plus. Celui-là qui a traité son prof de sale chien. Franchement, j'ai bien kiffé. Hein? Même Django, il a rigolé. Sale chien, Django, tout ça. Allez, bisous. Malade.